Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. Restez bien scotchés dans vos fauteuils, dans vos maisons, parce qu'aujourd'hui, l'émission va déménager. Recevez tout d'abord votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallé, la légende. Aujourd'hui, accompagné de ma binôme, celle qui va encore poser les questions dérangeantes et détournantes, la très belle et la sublime Yumi. Alors Yumi, ouais. Ça va un peu? Toujours. C'est bon, alors. Je dirais. Ah, ok. Donc, je suis au taquet. C'est-à-dire là, je suis trop enthousiaste, quoi. Parce qu'aujourd'hui, là, je sens que vraiment, ça va se casser. Ça va se casser. Alors, ouais. Alors donc, casser dans casser, c'est au pays des cassés, c'est le casseur qui sera le roi. Exactement. Très critiqué pour son langage assez cru, apprêtez vos oreilles. Car aujourd'hui, dans le Fafa, l'on reçoit la seule, l'unique, Laure de tous les pleux. Alors, bonjour Laure de tous les pleux. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau, oui, de Fafa ce jour. Merci. Voilà, on te voit toute belle, toute rajeunie. Oui. Alors Laure, on dirait que tu ne veux pas laisser la jeunesse. Hein? Mais pourquoi je vais laisser ça? La jeunesse, on ne peut pas laisser. Quand moi-même je dors là, je bloque la porte. Il ne faut même pas que la vieillesse dérange la porte. Ah. Donc, il ne faut même pas que la vieillesse dérange la porte. Non, non, je suis désolée. L'homme ne vieillit pas. C'est d'accord. Le corps qui vieillit. C'est le cadavre qui vieillit. Sinon, quand tu as envie, tu ne dois pas vieillir. Parce que ça se passe dans la tête. D'accord. Tout se passe dans la tête. Mm-hmm. Il y a certaines personnes, ils ont 18 ans, puis ils sont vieux. Tellement qu'ils réfléchissent, alors ils ont 18 ans. Okay. Il y a non, je dis, ils ont 70 ans, 80 ans, et puis ils sont toujours bâtards. Ouais. On me dit, la seule, pourquoi tu ne vieillis pas? C'est parce que mon âge, là, aujourd'hui, je ne me vois plus encore soulever mes jambes. Je suis là, avec la pipe, c'est léger. Ça passe. Ça fait que les mâchoires sont... Attends, mais c'est partie, du sport. La partie, là, m'intéresse. Parce mais que, bien sûr. Voilà, la seule grande Laure de tous les pleux. Oui. Tu as bientôt 75 ans. Oui. Mais je te vois, tu es patate. On dirait quelqu'un qui dort dans le frigo, comme dirait l'autre. Le teint qui brille, tu es pimpante. Le secret, là, le secret. Moi, je veux que tu secret, me dises. Le secret, s'il vous plaît, le secret même de la femme. Je là. Suis toute restée. Parce que l'amour, c'est de là. C'est léger. D'accord. Faut pas... Tu ne peux pas te concentrer au lit. Au lit, là, tu t'étopies. C'est tout ça. Il faut laisser un certain âge. Nous, aujourd'hui, là, nos pieds, on ne peut plus soulever. Ce n'est pas un règlement de compte. Mm-hmm. Quand tu entends de piper quelqu'un, puis j'ai l'impression, tu fais que toi-même, tu rajeunis même avant que celui que tu entends de piper. Ah, tous les yeux écartés, les gens, ça, c'est ancien temps, ça. Mm-hmm. Ce n'est plus la mode. Légèrement, bien tu t'assois sur lui. Légèrement, parce qu'il y a une manière de s'asseoir sur quelqu'un. Il y a des gens qui sont assis sur toi. Il y a une manière de s'asseoir. Il y a des gens, quand ils s'assoient comme ça. Non, uh-huh. Non. Légèrement, vous glissez mm-hmm. et puis tu remontes. D'accord. En attendant que les tesquis tapent sur le matelas. D'accord. Et tu attends pao, pao. Ça fait du bien, ça. Alors, Laure de tout le plus, que penses-tu des filles hein, qui se préservent avant le mariage? Qui font quoi? Qui se préservent avant le mariage. Elle se préserve avant le mariage. Mm-hmm. Mais je suis vraiment... Tu te préserves pourquoi? Tu es déjà quelqu'un est venu vers toi. Mm-hmm. Le mariage, on n'a pas besoin de faire une réunion pour ça. Ah. Il y a plein de femmes qui ne gagnent même pas. Vous, déjà? Il y en a même qui ne gagnent même pas. Mm-hmm. Ça fait des années, mais il n'y a même pas des gens qui leur disent, ben, si tu te plais aujourd'hui, il n'y en a pas. Mm-hmm. Toile d'araignée. Toi, au moins, toile d'araignée. Hein? C'est versé. C'est versé. Toi, au moins, on vient vers toi, tu ne dis pas Dieu merci. Mm-hmm. Mais tiens là, tu es d'accord. Non, non, écoutez, mais, prenez mais pas la les gens. Laure, pour en gérer sur ce que dit De Fallé, mais il y a des hommes aussi, quand ils viennent là, mm-hmm. toi tu as dit que, bon, c'est ton premier. Dès mm-hmm. qu'il te touche, souvent il respecte et puis il s'en va. C'est Mougoupan seulement. Mais c'est bah, ça, c'est en bas là en mer. Sinon, il n'y a pas un truc de quoi, on fait Mougoupan pour laisser. Vraiment, en bas en mer. Donc, quand c'est en mer là, ça, on laisse ça facilement. Non, c'est mm-hmm. les non, 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 parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, certaines personnes. D'accord. Parce que la beauté, rien d'une fois, mais c'est entre les jambes. C'est le sens que la beauté, quand ça. Tu perds ton vieil, puis ça sert, puis l'enfant ne va plus. Mm-hmm. Tu perds aussi jeune, puis on rentre dedans comme si on était au palais des sports. Tout ça, ça existe. D'accord. Voilà. Donc, en parlant de ça, déjà, en parlant de l'appareil de la femme, tu penses quoi de ces filles qui font les secrets, toi, prendre des trucs de JK, tout ça là, pour serrer, tout ça. Ça n'existe pas sur la terre. Il y a d'autres qui disent c'est efficace. Non, non, tu vas faire ça sur quelqu'un. Est-ce que tu connais son âme?
Oh, toi, tu as mis dans ton poids. Est-ce que quand il t'a croisé, tu as serré quelque chose dedans? Tu as mis quelque chose dans ton cul là. Mm-hmm. Tu l'as croisé, il faut commencer par ça. Parce que l'amour, quand c'est naturel, même, il n'y a rien de tel. Tu vas mettre ici, il va mettre sa queue dedans, ça va mettre comme parasol. Ça, c'est quoi tout ça là? C'est pour ça, souvent, si elles ont cancer, parce qu'avant de mettre ça, le docteur fait vaccin. Il fait examen pour voir quelle maladie tu avais. Pour rien comme ça, on prenait ma chérie, si tu mets, il y a une femme qui disait au machin là que mm-hmm. quand tu mets là, c'est dans des choses, caïman, ça va bloquer que de la personne. C'est comme pour elle, là, c'est dans des caïmans. Le monsieur ne va pas envoyer sa queue là-bas. Mais parce que c'est dans des caïmans, c'est que tu as coupé mon tout, c'est que c'est mieux. J'ai dit, c'est pour cela que les femmes, là, je dis, elles vont traîner. Moi, je suis l'avocat des hommes et je parle là-haut et puis je signe. Parce que si tu ne sais pas te prendre, où je suis moi la seule, là, depuis combien d'années? Ça fait plus de 40 ans. J'ai mon collier rouge ici. Quand il y en a, c'est la vapeur qui prend les testicules du monsieur. On n'a pas besoin d'aller faire un médicament pour ça. Ben, dis donc, la grande Laure, tu dis que ce n'est pas nécessaire. Mais il y a des hommes là. Des hommes mariés qui sont satisfaits que leur femme utilise les cirés, les secrets. Il n'y a pas un homme qui peut dire ça, jamais. Mais il y en a qui disent ça. Ça n'existe pas. Un homme ne peut jamais dire à une femme, va même médicament, je vais serrer dedans. Mm. Ça n'existe pas. C'est vous-même qui fabriquez ça. Une femme qui a plein d'amis, tu dois avoir toujours des problèmes. Parce que tu es là, ma copine dit, et moi je préfère mon homme dit. Faut laisser à côté. Donc le conseil que tu donnes, tu dis qu'il ne faut pas que des femmes aiment beaucoup de copines. Écoutez, ma copine dit, ça crée des problèmes dans le couple. Une femme, en général, tu vis dans ton homme, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont pas les moyens. Quand tu croises une femme pour une première fois, ma chérie, voilà, j'ai un petit fait tout là. Par jour, on a 1000 francs ou bien 1500 pour marcher de 2 jours. D'accord. Mm-hmm. Est-ce que tu vois? On n'a qu'à gérer un peu. Mm-hmm. Parce que l'amour, il y a des femmes aujourd'hui, dès qu'ils te croisent, il faut me payer humain. Ça fait 400 000 francs. Lui, il gagne 40 000 francs. Il va arriver 400 000 francs là-haut. C'est ça aussi. Tu vois, pour aller avec toi seulement, d'abord, on t'invite dans un restaurant, tu viens, il va venir avec tout ça. Mais le monsieur est sorti avec 3 000 francs. Toi, tu viens avec le monde. Et puis, lui-même qui t'a invité, il prend coca, hein, puis toi, tu prends du vin. Parce que on dit qu'on t'aime. Les gens veulent trop vivre. Quoi. Non, mais tu veux vivre, il faut aller vivre chez tes parents. C'est pas, ils ne gardent pas le bien de tes parents. Ah. Donc, la soeur, tout le plaît, elle fait partie du syndicat. Ah, moi, je suis syndicat des hommes. Il faut qu'on se dise, parce que la femme aujourd'hui en réalité ne sait pas où se trouve son bonheur. D'accord. Celui qui veut d'elle là, elle joue avec lui. Mm-hmm. Et l'homme, la femme n'est qu'à se mettre dans la tête. Tout le temps, je dis sur toutes les antennes, elle n'a qu'à se dire qu'un homme qui te dit viens à la maison, il faut te dire alléluia. Dis merci à Dieu. Mm-hmm. Il y a des femmes, depuis qu'elles ont tous les milliards, elles ont des voitures partout. Et puis elles sont à la recherche d'une queue. Pourquoi ton petit comportement que tu as mis dans le sac d'allant à Gagnon là, il faut changer ça. Ah, c'est vrai. Et il y a des hommes aujourd'hui qui sont devenus comme des crochards, qui vivent chez des femmes, qui lavent leur maison, qui lavent leur choses, écrasent leur aubergine. Moi, un enfant j'ai mis au monde qui a fait ça à une femme, toi et moi on est plus enfant et plus maman. Parce que c'est l'homme qui doit être toujours au-dessus de la femme. D'accord. Mais la seule de tout le plus, à combien d'enfants? Moi j'ai 8. 8 enfants. Mais aujourd'hui, quand des enfants voient les vidéos où, bon, on va dire les paroles sont assez prononcées, souvent un peu vulgaires, tout ça, ça ne les dérange pas par moment? Moi, mes enfants, je les ai dit que ce qui est mauvais pour une mère qui se met nue. Okay. Moi, je fais porno en bouche. Voilà. Ah. Moi, je ne me mets pas nu. Mm-hmm. Parce que ma robe va toujours traîner. Parce que c'est pas joli à bas coup. Enfin, ton propre fils, il va voir la maman entre les jambes, le corps de la vieille. Non, si, si. Ils vont jamais voir mon corps. Mm-hmm. Mais je vais leur parler. Moi, je dis à mes enfants, quand tu es avec une nana, qu'elle ne peut pas te piper, tu lui mets shit. Voilà. Ah, au fait, ça, c'est la base, au fait. Ah oui, c'est la base, c'est le secret de... C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Si la fille ne peut pas te piper, tu les laisses. Tu as combien de filles, combien de garçons? Moi, j'ai 2 filles. 2 filles. 6 garçons. D'accord. Donc, tu leur as donné ce conseil-là. Ah oui. Et encore, les vrais conseils que je donne à mes filles, si tu as un problème avec ton mari, faut pas croire que tu vas venir chez moi sans m'avertir. D'accord. Parce que dès que j'attends ça, j'appelle mon beau d'abord. C'est lui que moi je connais. Mm-hmm. Ah, je ne peux pas t'écouter. Les mères qui écoutent, non. S'il fait ça, il faut venir à la maison. C'est les mamans sorcières, elles n'ont pas m'excuser. C'est la sorcellerie. D'accord. Ta fille va toujours venir à la maison. Il faut chercher à voir pourquoi ça ne va pas. Va voir ton petit, ton mari aussi. Okay. Sa maman peut lui dire aussi, mon fils, il faut venir à la maison. Mais la plupart du temps, les mamans, elles disent directement à la fille. Mais s'il a fait ça, elles prennent partie pour la fille. Sans chier, oui. Mais c'est ce que j'ai dit là. Les mères qui prennent une partie, c'est pas normal. Okay. Ah, parce qu'on n'a pas tout dit de venir à la maison. Elle n'est pas chez l'homme là-bas. Son mari qui n'a plus de cheveux, elle ne vit pas à lui. Mm-hmm. Elle vient à lui. Quand quelque chose ne va pas, la meilleure solution, il faut dire à ta fille, ma fille, il faut arrêter de faire ça. Mm-hmm. La vérité, là, ça vous dit, mais ça ne casse pas. Bah, hein. Mais il ne faut pas... Non, parce qu'à l'époque, quand le monsieur vous donnait, on le supportait. Mm-hmm. Maintenant, quand ça a diminué, il n'y a plus de supporters. Tout le monde se fout de lui. Mm-hmm. Ah non, le monde ne reste pas comme ça. Hein. Ça tourne. Donc, on ne prend pas la moitié de la couleur pour le sacrifice. Moi,
on ne fait pas ça. D'accord. D'accord. Donc, la grande Laure, que penses-tu de ces femmes qui négligent leur foyer, oh, elles rentrent tard du travail, monsieur va faire, la nounou va faire. Tu penses quoi de ces femmes-là? La femme qui rentre tard, les nounous sont là, ils vont les couiller. Parce que l'amour, là, c'est ça, on les couille. Donc, si elle rentre tard, la nounou la remplace, il ne faut pas, elle va s'étonner. Elle va t'étonner. Pas, tu es marié, tu es au travail, jusqu'à minuit, toi, tu rentres. La, toute la journée, la queue d'un homme, ça aide en caleçon. C'est, c'est la nuit, ça va clair. Tu n'es pas en couille, la nounou, il n'y a pas de prison pour ça. Il y a aussi la grande Laure, il y a aussi ces femmes, quand on invite quelquefois, voilà, elles qui cherchent mari juste quand elles cherchent. Le jour, elles tombent sur un bon gars. Mm-hmm. Le gars l'invite dans un restaurant chic. Mais elles aiment commander souvent, c'est qu'elles ne mangent pas à la maison. C'est toi qui vas faire liste de menus comme ça, d'un bras. Hein? Mais c'est pour ça, après, elle trouve que ah, mon type là, quand je l'appelle, il ne prend pas. Mais il ne va pas prendre. Toi, tu manges avec pour 100 francs chez toi, matin. Mm-hmm. Quelqu'un t'a invité, la meilleure solution, il faut prendre un peu d'abord. Mm-hmm. Il faut faire semblant. Mais les blancs, même nous-mêmes, on n'est pas allés à l'école. Mais quand même, moi et mon mari, fille est pilote, il faut demander au colonel Koulibaly, qui est le PC aujourd'hui. Mon mari était pilote. Malheureusement, mon mari est mort dans l'avion. Mm-hmm. Mais il m'a appris les bonnes manières. Moi, mes beaux parents ont toujours dit que cette femme, elle est vulgaire, nous, on ne l'aime pas. Mon mari dit, vous ne l'aimez pas, mais elle me couille bien. Mm-hmm. Elle me couille bien, puis ma maison est propre, elle me fait des enfants. Mm-hmm. Ils vont dire quoi? Parce qu'il y a deux choses qui peuvent retenir un homme. D'accord. Pour la première fois, toi, tu t'en vas avec quelqu'un à la table, toi, tu sais que chez toi, la maison, tu ne manges pas ça. Tu dis que moi, je veux lapin au fourré. Lapin, toi, toi, bien quoi, fourré. Tu manges ça chez toi. Maintenant, tu l'appelles, il ne reprend pas, tu t'étonnes. Mais alors, l'affaire de tout le plus, dis-nous. Qu'est-ce que tu penses des filles qui font la chirurgie esthétique, qui font les seins, d'autres ont refait les fesses? Parmi les influenceuses, au lieu de faire ses seins, écoutez là, tes petits enfants, si dans les caleçons traînés, tu peux mettre dans le soutien, ça peut bomber. Ah! Et ça y a ça arrivé là-bas. Écoutez, mais il y a des culottes, gros culottes à type. Les chiffons, là. Avec chiffon, tu portes là, voilà, fesses. Au lieu d'aller. Mais et si elle a porté chiffon là, maintenant, arrivé au moment de faire l'action, si le gars enlève et puis voit que c'est chiffon, c'est et puis il dit qu'il ne veut plus. Mais s'il ne veut pas, c'est qu'il ne banne pas. Sinon, vrai pin qui banne à lui, il ne fait pas choix. Celui qui entend les bander, s'il a besoin de demander où est fesses. Très souvent, il y a des femmes à Abidjan qui se baladent voilà, avec des morceaux de pain, mais il n'y a pas qu'à le sang en bas. Ces femmes-là, c'est la saleté. Elles sont très sales. Mm-hmm. Parce qu'une femme, en général, tu dois toujours mettre une culotte en bas. D'accord. Et puis, ce n'est pas normal pour une grande femme, tu vas te promener un morceau de pain. Souvent, tu peux t'asseoir et puis tu peux baver. Mm. Hein? Le sexe peut baver comme ça, tu te lèves ton derrière mouillé. Alors que moi, mon derrière qui est là, tellement que le coyote rouge est là, je suis air ivoire. Quand je démarre, j'ai le rétroviseur qui me guide. Comment ça? Toi, vous êtes là, elle fait dans les rues, elle se promène les morceaux de pain partout. Mm-hmm. C'est pas normal. Une femme, même si tu ne peux pas morceau, tu portes un grand jean. Et puis tu es là. Mais il y a des femmes âgées, mais il y a une même un jour, elle a fait déjà au marché. Ah. Pain est tombé, et puis il n'y a même pas bon caleçon. Caleçon, elle s'était cousue deux fois. Pourquoi à ton âge là? Le corps, l'homme tremble aujourd'hui, le corps d'une femme, quand il voit ça, nous, notre temps là, quand le monsieur voit un peu ici, il bande. Mais aujourd'hui, tout est versé dehors, les gens nous sont là, pourquoi tout ça là? C'est pas ça qu'on appelle l'amour. Mais elle dit que c'est la séduction. Ah, séduction là, moi je perds dans mon soutane, et puis toi ton gars, il aime où ça, il va te laisser. Voilà. Je te jure. Elle vient tout son sexy, toi tu viens dans ton soutane. Moi je suis dans le soutane, il faut porter ceci, tes seins dehors. Mais mon petit conduit là, dès qu'il a neuf, et puis les petits grains de poils à côté, oh mais, tu mets pas de quoi. Alors, lors de tout le plus, aujourd'hui, il est fort de constater qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sortent avec, disons, les daddy sugar, des personnes d'un certain âge et excessivement un peu plus âgées, vraiment âgées par rapport à ces jeunes filles-là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est parce qu'elles n'ont pas encore tué quelqu'un. Hein? Comment ça? Parce qu'un homme qui a dit attention, il est vieux là. Toi, tu es enfant, là, tes petits phases là. Quand tu vas monter sur le gars, il est devenu règle au lit comme grenouille. Ça, c'est ton problème. Mais c'est parce qu'à l'air âgé, elles sont de moi. J'ai vu mais un vieux que moi-même, là, je ne peux pas sortir à lui. Et je vois une petite fille derrière, devant moi, je suis allé à l'hôtel. J'ai dit, mais ça là, vraiment, les parents n'ont qu'à demander où on fait la veille du monsieur. Parce que ça, c'est du jamais vu. J'ai dit jamais vu ça là. C'est ça, mais tu t'en vas avec une petite fille que moi j'ai vu, voilà, c'est les débouts. Mais toi même pour marcher, mais il avait calme, pour sauter quand il voit. Et puis tu t'en vas avec quelqu'un, même si tu connaissais ses parents. Il a dit, bon, où votre frère est parti là? Voyez si c'est fille gagnant, c'est belle là-bas, ou bien si c'est là, on va faire là-bas. C'est qu'elle a fait ça là. Ah, c'est pas normal. Moi, j'ai fait une émission un jour, puis il y a une dame qui me dit que elle, moi, je prends, et à partir de 20 ans, parce que moi, c'est mon genre d'amour. C'est ça, il dit. C'est des femmes comme ça, on doit annuler sur le pays. À ton âge, tu prends quelqu'un de 20 ans. Ah. À ton âge, moi, mon âge aujourd'hui, je ne fais plus l'amour. Et j'ai dit que je ne vais plus faire l'amour.
Pourquoi? Est-ce que tu vois? Parce que c'est, moi, je dois dormir avec mes petits-enfants. Mm-hmm. Mais c'est les petits-enfants qui doivent verser les pieds sur moi. Mm-hmm. Mais à mon âge, je dis, si moi, mes enfants, regarde, j'ai des grands-enfants, ils vont voir la vieille, il y a un, hey, papa, bonsoir, ou bien tonton, ouais, bonsoir, bonsoir, la finit pas. Mon mougouchien a fini, quand on couille dans la retraite, ou bien on couille, il y a retraite dedans. Il y a retraite dans ou bien on va couiller seulement, quoi. Comme il y a d'autres qui prennent ça pour faire métier, là. Non, 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 celles qui prennent pour faire métier, c'est la saleté. Tu vois les femmes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, elles ont des gros ventres. Elles sont penchées, les fesses sont ici, ventre à Darwa là-bas. C'est le sperme parce que ça ne sort plus dans le corps. Le sperme a bloqué le ventre parce que le gars va finir de jouer en toi, le ventre est ballon, mais ça ne sort pas. Hein? Elles sont là seulement. Il y a une vieille qui m'a dit, moi quand il fait peur, ça me rend malade. Je dis, tu vas mourir. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé une queue qui va enlever tous ces étincelles. C'est ça, c'est le tout. Quand on a une vieille périmètre, tu vois, moi je ne fais plus. Hein. Je juge devant Dieu les hommes. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Ceux qui ont plein de femmes là. Mais je suis content, ils n'ont qu'à avoir 20-20. Aïe. Mais c'est normal, parce que si, moi, ah, ça tombe bien. Oui, c'est parce qu'une fois à Kumasi, je suis un jeune comme vous, je tombe sur lui. Il a un restaurant, on s'en va manger. Je regarde lui seul, il a 4 femmes. Il a dit mon fils bonjour, il dit hey, là c'est là, je te vois sur les réseaux sociaux, hey, la star est venue dans mon coin. Il dit mais mon fils, tout cela, il dit maman c'est mes femmes. J'ai dit ah, à ton âge là, il dit oui, bon viens. Quand il est venu, il a demandé, il dit la vieille, je vais t'expliquer, comme t'es toi mais tu parles de ça. La première, quand je bande comme ça, je viens, elle dit non, tu m'as insulté samedi passé, elle va me tourner mon bas, va me faire mal, je ne vais pas aller à l'école. Il dit d'accord. Pendant un an, il me faisait comme ça. J'ai pris deuxième. C'est qu'à faire que ça vient, hein, j'ai envoyé deuxième à la maison. Quand j'ai envoyé la deuxième aussi, ils ont commencé à botter le cou. Quand je vais la toucher aussi, elle fait face. Elle est rentrée aussi dans le premier coup là. Il dit d'accord. Il a envoyé troisième. Troisième. Oh. Troisième, un an, deux ans, c'était bon. Il a commencé à faire. Maintenant, c'est la quatrième maintenant qui gère tout. La pédique là. Quand il a su au maquis, met sa main dans son garçon. Oh, lui-même, il a dit non, il voulait amour, mais c'est maintenant il est tombé sur amour. Donc les trois autres là, sont là, ça veut dire tous les voitures sont au garage, il y a pas, on ne peut pas dire à quelqu'un de faire sortir sa voiture. La grande loi. Ouais. Donc la grande loi de tout le pleu est pour la polygamie. Oui. Donc si on demande de faire une ligue pour imposer la polygamie en Côte d'Ivoire, tu peux prendre la tête de la ligue. Moi je prends, ils n'ont qu'à avoir 20 femmes, 20 femmes. Elle-même là c'est 20-20, c'est pas 4-4. Parce que 20, parce qu'une femme, la femme c'est pas aujourd'hui où se trouve son bonheur. Une femme c'est quoi? Parce que la femme, moi je dis, elle ne veut pas la vérité. L'homme qui dit que moi je veux de toi là, elle ne veut pas de ça. Mais l'homme qui les maltraite là, c'est là-bas la femme s'en va. Est-ce que tu as vu? Ta propre femme, comment tu peux lui demander pardon de 20h jusqu'à 5h du matin? La tension n'existe pas. Hein? Quand tu vois les hommes, ils sont penchés, ils sont comme ça là. C'est le sperme qui est monté dans les doigts, dans les pieds. Puis... Donc, c'est ça qui a paralysé un côté. Ça a paralysé parce donc, que c'est pas AVC. C'est pas AVC, c'est le sperme là, parce que la femme a refusé. Wow. Donc c'est le refus des femmes là qui donnent la vie. Mais elle ne doit pas refuser. Ton mari, tu dois. Il y a deux choses. Quand ton mari n'est pas encore rentré, vous êtes là, vous attendez. D'accord. Il faut attendre la rentrée de ton mari. Il arrive, ça n'est même pas à peine d'envoyer des gens. Tu te lèves, tu fais son plat, chérie. Ah, la boutique t'a fatigué un peu. L'homme, il adore quand on le prend comme un enfant. Avec douceur. Avec douceur. Mais tant que ton mari n'est pas encore... C'est elle qui rompt sur son lit, qu'il a payé à 25 000. Hein. Elle rompt dessus, elle ses dents en bois là. Elle rompt dessus. À gouillant, 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 gouillant. Le monsieur maintenant a dit aux enfants, ouvrez là-bas. Alors qu'elle où elle dort pas avant là. Elle dort dessus, elle raconte sa vie. La seule lors de dessus, tout là, le bleu. Hey! Dans tout le pays, il n'y a pas de en tout cas, mais... En parlant de ces femmes-là, il y a d'autres femmes qui trouvent que c'est important de basser. Beaucoup de femmes bassent leur mari, des couples polygames, hein, parce que là-bas, c'est un pays qui prône la polygamie aussi. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, elles n'ont qu'à basser. Tu te les vois, beaucoup de femmes qui sont folles, là, c'est basse, là. Ah? Mais oui, c'est la basse. C'est basse, là, qui les rend folles. Et... Parce que moi, je ne peux pas basser cet homme qui a... Je ne connais pas son âme. Pour travailler quelqu'un, il faut rentrer dans son âme. Pour rien, quand tu vas le basser, parce qu'il n'a qu'à t'aimer. Et ah donc, ils font ça, on leur dit non, il faut prendre ta leçon que tu as portée la nuit, tu vas essuyer dans l'assiette. Ça, c'est le basse, il va toujours penser à toi, il va t'aimer, tu nettoies ses couverts. Tu as beaucoup de choses. On dirait qu'elle-même, elle fait. Ah, que moi-même, non. Mais comment tu sais qu'on prend la leçon pour essuyer dans l'assiette? Je me suis renseignée au Sénégal, elles font ça.
Mais non, mais Yumi, tu parles de pas de mondial. C'est toi qui as essayé, mais ça n'a pas marché. Explique tout ça là, pas ça là. Yumi, c'est caresson, tu as essayé, là, ça n'a pas marché. Il faut quitter dedans, ma fille. Comment toi, tu sais qu'on va prendre caresson? C'était la bonne idée. J'ai causé avec une tata sénégalaise à Trècheville. Elle dit, elle prend assiette. Elle dit, son caresson. Elle dit, elle, dans le temps. Il a fait ça, il a dit, ma tête, je vis dans assiette des sénégalais, il n'y a pas de bonne idée. Les caleçons pour nettoyer dans l'assiette et tout. Uh-huh. Comme ça, ton âme est dedans. Ou bien, quand caleçon t'a porté la dernière fois que tu as fait les affaires avec monsieur, tu parles dessus. Tu dis que non, je veux que vous n'avez qu'à penser à moi. Même s'il s'en va chez l'autre, là, ça ne va pas s'élever. Tout ça, là, c'est les basses, elles font. Quand Dieu donne son temps, la personne ne peut enlever ça. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu vois? Mm-hmm. Il y a des hommes aujourd'hui, ils sont mariés légalement. Hein? Oui. Mais il n'est pas à l'aise. Mm-hmm. Il est marié parce que. Elle l'a trompé. Mm-hmm. Au départ, elle avait un bon cœur. Il a dit, ah, je suis au paradis. Mm. Ah, c'est la bague. Alors que ce n'est pas la pine qui a mis bague. Mm-hmm. Bague, là, ça perd. Et puis, je peux faire mon mougou dehors. C'est toi qui perds. Est-ce que tu vois? Il n'y a pas bague, c'est pas du tout. Ah, c'est ça, il a mis bague. C'était il n'y a pas bague là-bas. Tout le monde peut porter. Même souvent, mais je peux payer 5 bagues. Mm-hmm. C'est que je dis, pomme vagabond. Il peut porter tout ça, c'est bague. C'est que je dis, pomme vagabond. Et tu penses quoi des belles mères qui aiment souvent surveiller, se mêler de la vie de leur fils, de, hein, les belles mères trop imposantes qui veulent tout gérer là. Une belle mère qui fait, c'est elle, les sorcières. Ah. Parce que j'ai accouché mon enfant, il doit aussi, il doit faire sa femme, il doit avoir ses enfants. Mm-hmm. Faut quitter dans la vie. Le problème, tu connais le petit. Moi, quand je vais chez mon fils, je demande à sa femme, maman, mm-hmm. est-ce que je peux avoir ça? C'est ma fille qui me gère, c'est pas mon fils. Ah, parce que c'est pas mon foyer. Non. Oh. Le foyer, c'est pour mon fils. Lui aussi, je l'ai mis sur la terre pour que mm-hmm. lui aussi fabrique pour lui. Mais tu es là, mon fils, allô, envoie-moi ça. Et puis souvent, il a une belle mère peut avoir un studio. Mm-hmm. Il sait que son fils est à studio. Hein. Elle va laisser s'étendre devant eux. Pour aller dormir là-bas. Elle m'a fait souvent un an dans le studio. Mais il y a une dame qui est venue me voir un jour à la radio. Quand elle m'a expliqué, il a dit, maman, la meilleure solution là. La belle mère, tu te mets nue. Tu prends peine à que tu payes tes poils là, elle va plus venir. Ah oh! Quand la femme la vie, elle partait, elle n'est plus revenue. Alors, la seule lors de tout le plus. Aujourd'hui, c'est vrai, il est fort de constater qu'on a beaucoup aussi de coachs sur les réseaux sociaux, des femmes coachs qui donnent des conseils aux jeunes filles et tout ça. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce phénomène? Il y en a qui ne donnent pas de bons conseils. Voilà. Il y en a qui disent que moi, j'écoute souvent. Okay. Il y en a qui disent que non, quand vous êtes avec un gars, que ça ne va pas, laissez-le. Ce n'est pas un conseil. Mmh. Au contraire, il faut dire à la jeunesse, si vous avez votre type, mmh. allez-y, mollo, mollo avec lui. Il n'y a pas de pauvre sur la terre. Mmh. Quand tu n'es pas pauvre, tu ne peux jamais être riche. Il faut être pauvre pour être riche. Mmh. Tu n'es pas sale, tu ne peux pas être propre. Mmh. Est-ce que tu vois? Et quand tu es avec un gars, mais pas à faire d'argent dans ta tête. Oui. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais pas fini, il sera déconnecté de toi. Mmh. L'homme adore faire des surprises. Mmh. Ma chérie, qui est? Ça vient de lui-même. Mmh. Mais vous ne faites pas ça. Ah! J'ai une tante à tellement qu'elle n'aime pas là, mais quand il y a fête qui arrive aujourd'hui, là, quand son mari va l'appeler, ça arrive là, oui, fouet, papa, papa. Parce que la fête, il reste un mois. Mm-hmm. C'est papa, papa, hein. Mais fête n'est qu'à finir. Quand le monsieur dit un mot, c'est 6 mois, elle va parler. Ah, papa est parti. Ça devient un règlement de compte. Mm-hmm. Donc, moi, je dis à la jeunesse de rester tranquille. Okay. Même si le monsieur n'a rien, l'amour, là, on commence à baser. Je me suis mariée très tôt. Est-ce que tu vois? Quand c'est pour toi, là, c'est pour toi. Tu vas monter, descendre, c'est pour toi. D'accord. Mais tu vas dire à ton ami, si tu vois qu'il y a des voleurs aujourd'hui, il y a des braqueurs là. C'est vous les femmes là, nous les femmes là. C'est nous à faire comme ils sont braqués. Parce que tu demandes que je n'en ai pas. Il est obligé d'aller braquer pour te donner. Pour ne pas te perdre, il va aller braquer et te donner. Ou bien il va aller voler les gens parce que sa copine a besoin de ça. Si, si. Et on va le prendre demain, toi tu ne mets plus pied là-bas. Mais souvent même la copine même ne l'aime même pas. C'est juste pour l'argent. Ah bon, mais c'est pas bon. Il ouais. faut me payer un iPhone ou bien quoi, iPhone là ouais, iPhone 14. 14 bien 53, tout ça, Pro ils vont Max. Payer pour toi. Pourtant, elle-même là, ses parents n'ont pas bon beaucoup. Moi, mon portable fait 4000 francs. Les grands messieurs parlent dedans. Donc, elle demande un iPhone 14, pourtant ses parents même, ils ont Jomolo. Oh, tu vois, une vraie femme ne doit pas faire du bruit. Oui. Une vraie femme, c'est le corps, la manière qui veut qu'on sait qui tu es. D'accord. Hein? Mais une femme, dès le départ, déjà, qui t'envoie dans un restaurant, toi, tu n'es jamais arrivé, mm-hmm. qui dans son affaire, c'est pas un bon film. Plumé là-bas. C'est pas un bon film. C'est pas un bon film. C'est même alors, pas un bon film. Alors, bientôt, l'émission de la grande lore de tout le pleu sur Ivoire TV. Bientôt. Alors, parle-nous un peu de ta prochaine émission, bientôt sur Ivoire TV. Vraiment, je suis très heureux de revenir dans la maison. Aujourd'hui, Dieu merci que je suis, on me garde là. Mm-hmm. Mon émission,
J'ai décidé à faire une émission pour moi-même. D'accord. On appelle ça Gourmet Sucré. Gourmet sucré. Le Gourmet Sucré dans la semaine. Gourmet Sucré sur Ivoire TV. Voilà, vous allez voir ça sur Ivoire TV Musique. D'accord. Avec l'émission, ça donne des conseils. D'accord. C'est pas pour une femme. Tu vas aller te suicider. Mmh. C'est pas pour une femme, tu vas maigrir. Mmh. C'est pas pour une femme, tu vas t'embrouiller. Il faut aller un peu doucement. Mmh. Est-ce que tu vois? Parce que la femme, quand elle voit que tu n'es plus comme avant, là, elle se moque de toi et puis elle continue à te provoquer. Si. Est-ce que tu vois? Quand ça ne va pas, c'est mieux, appelez-vous. Et puis, ah chérie, je veux qu'on soit tous des amis. Mmh. Après, l'amour, ce n'est pas la guerre. Ah, ce n'est pas la guerre. Mmh. Est-ce que tu vois? Moi, comme ça, à l'époque, il y a un homme qui m'a dit carrément que la seule, vraiment, j'ai dit, moi, en amour, on ne bavarde pas beaucoup. Mm. On arrive dans une chambre, où il éteint la lumière. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Allume-moi ça. Il dit, non, moi, j'aime faire dans le noir. Il dit, non, la guerre est finie. Il y a un autre qui est au pouvoir. Allume-moi ça. Quand il a allumé, un coup, il prend mes deux pieds et met en haut. Il dit, mais ce n'est pas un règlement de compte. Il faut abaisser les pieds là. On n'est pas venu pour se battre. Il faut abaisser. On est venu faire l'amour. C'est quand tu as pour soulever mes deux pieds comme ça. Amen. Mais quand j'ai récupéré la queue du monsieur, alléluia. Entre les testicules, il y a un petit train, on appelle guitare, des hommes basés. Il a dit, mais je ne savais pas que mes enfants, c'était des... Après les testicules, il y a un trait qu'on appelle ça la guitare, des hommes basés. Ça, c'est la langue. La deuxième basse. Des hommes basés. Ça veut tout monde. D'où ça te prend la langue. Mais le gars a failli renvoyer tous ses enfants. Je lui ai dit, non, ce n'est pas possible. Il dit, je ne sais pas que je vivais avec des sauvages dans ma maison. Donc, les missions, bientôt, je dis à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous allez me ça voir. Sera très fort, ça sera très fort. Le Gourmet Sucré. Le gourmet sucré. C'est très fort. Je suis la seule femme unique dans tout ouais, du cavalier. Voilà. À tous les pays, il n'y a pas mon Dieu. Il n'y a pas. Il n'y en a même pas. L'unique lord de tout le monde. On ne met pas des coachs là. Je veux qu'un jour, les coachs là, on a quand même. Vous allez vous coacher, vous tous. Nous disons, on fait face à face. Face à face. Il n'y a pas la peine de dire, si le gars ne te donne pas l'argent, il ne faut pas sortir à lui. Tu pousses la personne à la prostitution. Ah. On ne fait pas être tout, on fait l'argent. Ah. Le gars, mais il n'est pas être, mais quand il y a un problème, il s'occupe. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que tu penses des jeunes filles qui s'adonnent à la prostitution en ce moment? Parce que le phénomène devient encore plus en plus. Prostitution, là, c'est bon. Elles appellent ça busy. Non, prostitution, là, c'est bien. Aye. Mais moi, je veux ça. Mais si tu ne veux pas couiller là-bas, au moins, c'est moins cher. Il a donné ses 2000, il vient se coucher. Aïe. Donc, après tout, je ne peux pas vous laisser. Aïe. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas à cause de toi, enfant, déjà, il va avoir mot de beau, vente, tu veux pas. Là-bas aussi, 200 francs, on lui fait toutes les phases. Il vient s'asseoir, pour Dieu, vous allez regarder la télévision, et c'est ça, il y a pas grave dedans. Dans la procession, si on peut les encourager, c'est bon. Ah, olé. Mais donc, la seule lors de tout le peu, donc tu peux encourager le portiportal. Portiportal, là, je ne vais pas. Parce que ça seulement, c'est pas forcé de voyager. Même en Côte d'Ivoire, ici, on peut être bien. Est-ce que c'est forcé d'aller dans un autre pays? Mais on est à Abidjan, même ici, là, on fait ça sur la route de Bassam, là. On fait porte-porte-là. Ils font ça ici même. Il y a des coins, ils font ça. Mais c'est bon, ça que le WC est occupé, c'est bon. Ça, il n'y a pas de problème. Si le WC est occupé, on doit faire porte-porte-là. Ceux qui sont... Omnibulés par l'argent. L'argent. La convoitise. Elle veut avoir tout. Parce que tu as porté ses chaussures. Elle veut les envieuses. Elle, parce que mon fils a porté jolies chaussures. Elle veut aussi avoir. Parce qu'il est comme ça. Alors que lui, elle est née à son teint. Il a ses doigts. Mais elle veut devenir. Pourquoi il est devenu? Il va aller se mettre les piqûres dans le cul. Elle parle de Santiago. Teint clair là. Teint clair naturel là. On va mettre piqûres partout. Mais pourquoi? Pour avoir fait. Voilà. Pour atteindre. Tu es naturel, ma fille. Ça passe. Quand Dieu dit c'est pour toi là, c'est pour toi. Voilà. Un homme, on ne peut pas dire son nom. Un homme de la douane. À l'époque, il a croisé une dame, une jeune fille, il était devenu fou d'elle. En même temps, ils se sont mariés. Gars, il avait un caractère. Elle a caché ça derrière d'abord, la porte. D'abord, derrière la porte, avant de le gars a fait mal. Elle dit, si tu me fais un garçon, je te paye une maison. Elle a fait garçon. J'ai dit, on allait faire le show là-bas. Maison, il a mis le nom de son fils dessus. 2 ans, 3 ans, madame a changé. Quand le monsieur rentre, il se met sur elle. Il va la gratter partout. Jusqu'à dans son service, on l'appelle le braqueur. Pas toujours la spadra. Si ce n'est pas derrière l'oreille, c'est devant ici. Si ce n'est pas sur son nez, c'est sur sa tête. Il est venu me voir. Il dit, la seule heure de tout le plus. Il dit, mais est-ce que tu peux m'aider? Il dit, mais il y a quel problème? Il dit, ah, j'ai ma femme, mais elle me fatigue. Il dit, moi, j'ai la solution, suis-moi. On est allé France-Amérique en très civil. Hein. Il a mis dans un coin chez une dame. Tu la vois, elle aussi, elle a 75 ans, mais classe. Vraiment classe. Quand elle est rentrée là-bas, elle a un... tu sais, à France, ils n'ont pas de grands bas, hein, c'est dans les salons, ils font les bas. Quand elle a vu le gars, elle a vraiment lui a fait à manger, quoi. Elle prenait la Guinness, lui prenait aussi
Fabien, ils ont fait le show. Une semaine, deux semaines, ils partaient là-bas. Mais, même pas un mois, le gars a changé. Parce que quand il arrive, la femme, elle met l'eau comme ça, et puis met ses pieds dedans. Mm-hmm. Les pieds sont dans l'eau en entendant que le micro est dans sa bouche. Ah. Il a dit, mais qui est-ce que tu es? Elle entend le pipe. Toi, tu étais où? Et puis, j'ai passé tout mon temps dans le coin des vampires là-bas, où on m'a blessé partout. Mais aujourd'hui, là, il a appelé la dame, sa femme là. Prends maison là. Prends voiture. Et tout, parce que tu as fait un garçon. C'est ton cadeau. Il m'a pris pied là-bas. Et il m'a pris pied. Il a eu de musique. C'est fini. Il est resté chez celle qui chante là. Oh, il est resté chez la dame là. La dame là, alors qu'entre lui et la dame, lui il a 44 ans, la dame âgée que lui. Mais la dame lui est posée, comme je suis déjà âgée, va faire enfant dehors. Moi je vais m'occuper de lui. Mais tu es mon mari. Mais il a fait encore deux enfants dehors. Si tu les vois, j'ai dit, le gars est devenu fou de la dame. L'amour c'est pas la guerre. Toi dis à ta propre faute, t'assois sur ma vie, tu veux que je fasse. Mais qu'est-ce que tu as cassé tous mes testicules? Ce n'est plus l'amour. Ça fait même que l'attention monte. Ça c'est pas l'amour ça. Donc les crises cardiaques viennent de là-bas aussi. Tout ça, ça vient. Parce qu'elle veut te montrer qu'elle sait faire. Pourtant, elle ne sait pas faire. On ne peut pas. Il y a des gens qui aiment qu'on leur montre que... Voilà. Non. L'amour, ce n'est pas un règlement de compte. Doucement, il y a une manière. Vous êtes... Est-ce que tu as une fois dansé? Je suis comme dans les rêves. Oui. Hein? Moi, je danse. Je suis comme dans les rêves, Natina. Mais donc, la seule lors de tout le plus a déjà dansé, je suis comme dans les rêves des Obams. Moi, j'ai dansé ça. En danse, ça comment? Il n'y a pas sa musique. Voilà. Tu fais tout ça, il y a chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. 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 Attention. Ouais. Ah ouais, vous êtes servi. Ben oui, parce que là. Non, ils sont servis. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour de la question. Bien sûr. Avec la sœur lors de tout le pleu. Il y a eu des sujets sans tabou. Oui. C'est le Fafa sans tabou. Tranquille. Avec la sœur lors de tout le pleu. Alors, la sœur lors de tout le pleu, quel est ton mot, le conseil que tu peux donner aujourd'hui à la jeunesse, ceux qui te suivent sur la toile, qui te suivent sur les réseaux sociaux, quelle est la pensée la plus positive que tu peux envoyer? Tout ce que je peux dire à tous mes fans, tous ceux qui... Il y a ce matin, quand je venais au boulot ici, il y a eu quatre voitures qui sont arrêtées. Et là, c'est là, ça va. Moi, je ne les connais pas. Moi, c'est une fierté. Moi, j'aime les yeux qu'on m'amène bagarre. J'aime qu'on me regarde. J'aime qu'on parle de moi. Voilà. J'adore ça. Ouais. Et ce que je vais dire aujourd'hui à tous mes fans clubs, d'arrêter d'avoir plein de copines, quoi. Tu as un problème avec ton homme, il faut parler à lui. Au lieu d'aller expliquer à Jean-Pierre, expliquer à Paul, qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans. C'est ce qui fait que dans le foyer, par là, finit pas. C'est ça. Parce que tu expliques à tout le monde. Est-ce que tu vois? Et le jour qu'une femme va payer une seule ampoule dans la maison, même chez moi, à tout le monde, ils sont au courant qu'elle a payé ampoule chez toi. Elle va expliquer à tout le monde. Elle va expliquer à tout le monde. Le jour qu'elle a payé 2 000 kilos de riz, qui n'est même pas riz sachet là, mais elle m'a dit que dans 2 jours, c'est moi qui fais tout à la maison. Alors qu'à son tour, sa maman n'avait pas de dents, tu as mis tous ses dents, ils n'ont pas parlé de ça. Voilà, bientôt l'émission de la sœur lors de tout le pleu. Vous nous verrez souvent en duplex avec elle dans l'émission. Oui. On va encore vous donner de la joie et vous faire passer des moments excellents. Toujours sur Ivoire TV Musique, exactement, la meilleure chaîne de télé pour votre plaisir. Alors n'oubliez pas, comme je dis, notre émission tire à sa fin. Merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui partagent effectivement notre actualité sur la toile et tout. Nous avons encore beaucoup de nombreuses surprises à venir pour vous, pour garder ce cap et le plaisir. Alors, big up à tous ceux qui nous soutiennent et mes gars sur le PDG Piro, sans oublier Kangala le Berger, K Agency. Sans oublier aussi bientôt la réouverture de chez Kra, habilleur de luxe et chausseur de luxe, Berluti et autres. Je big up à mon ami et frère Ange Blé, le cultivateur, ma marraine Mathilda, Erika, toujours, on est ensemble. Merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez de liker, partager. Big up à tous. Et n'oubliez pas, c'est tous les vendredis, le rendez-vous incontournable au niveau du Terminus 81-82, le Saphir. Ouvert uniquement que le week-end, le vendredi, samedi et dimanche. Lounge and Clubbing, Rumba, Live Music, c'est au Saphir. Alors, on est ensemble, restez couverts et... À bientôt pour de plus en plus belles émissions.